Hello, hello! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis de retour à l'hôtel Be Life Collection Adults Only qui se trouve à Marrakech. J'avais déjà fait une petite vidéo sur l'hôtel. Je vous mettrai le lien d'ailleurs ci-dessous si vous voulez la voir ou la revoir pour découvrir un peu l'hôtel, ses activités, le prix des chambres, voilà. La dernière fois, j'ai été en été. Donc j'ai bien pu profiter du soleil, de la piscine, et c'était très très sympa. Là, cette fois-ci, on est venu en décembre, donc il fait pas très très chaud. Il fait même très froid le matin et le soir. C'est vrai qu'on pourrait se demander qu'est-ce qu'on pourrait bien faire en mois de décembre dans un hôtel all-inclusive, puisqu'on ne peut pas passer son temps à faire bronzette et nager dans la piscine. Oui, c'est vrai, c'est un all-inclusive, donc... on peut manger, boire, manger, reboire, mais on ne peut pas faire que ça pendant tout le week-end, on est là pour deux nuits, donc on va voir ce qu'on peut faire d'autre de plus sympa. Alors même si je vous avais fait le room tour la dernière fois dans la première vidéo, là comme j'ai une chambre un peu différente, hello, toujours avec la douche italienne très sympa, et une petite baignoire qui donne sur la chambre. Après, on a notre lit king size magnifique avec à chaque fois les petits tableaux différents que j'adore avec les portraits. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que j'ai vu piscine avec une grande terrasse. Voilà. Et on sort direct à la piscine. C'est pas génial ça? Il y a de la fumée qui sort de ma bouche parce que il est encore très tôt le matin et il est à peine 8h30. Et il fait 8 degrés quand même à Marrakech. Mais ça va passer à 22 degrés je crois tout à l'heure. Donc là il fait un peu froid. On est en tenue de sport. Car on va aller faire un petit cours de stretching tout à l'heure. Je viens de prendre le petit déj, je vais faire une petite marche. En attendant, ben on verra ce qu'on va faire de fun tout à l'heure. Bisous! Il y a plein d'activités à faire. Il y a du yoga, du tir à l'arc, de la danse. Voilà, il y a une piscine chauffée à 28 degrés aussi, juste là. Je ne sais pas si on la voit bien. Je ne sais pas si je vais pouvoir quand même nager dans une piscine, même chauffée à cette température-là. Par contre, on va aller faire un peu de sport. Voilà, voilà, on a fait une bonne petite séance de sport. C'était très sympa. On a commencé à l'extérieur avec quelques mouvements. Après, ensuite, on est rentré dans la salle de gym pour faire les machines. C'était top, génial. Maintenant, je vais aller me doucher avant de rejoindre les autres pour aller déjeuner. Ouais, on mange dehors. Yes. Oula, là, c'est bien, cette petite table. Là quand même j'ai pris une bonne assiette, mais bon j'ai faim après le sport, la vérité, c'est cool. Zada. Là ça va être le moment préféré du séjour car on est en train de se diriger vers le restaurant où on va faire un atelier pâtisserie avec le chef. Et on va cuisiner au fait la bûche de Noël et des cornes de gazelle revisitées par l'hôtel. Merci. Pour préparer notre bûche, chef Youssef commence par émulsionner la pâte de marron avec du sirop sucré.
Ensuite, il incorpore la crème fouettée pour préparer notre mousse de marron. Maintenant, c'est à moi de jouer pour faire la bûche. Je prends le biscuit déjà préparé par le chef Youssef. Je l'imbibe de sirop sucré. Ensuite, j'étale ma mousse de marron. Et là vient le plus difficile, au fait, c'est le roulage. Et voilà, c'est prêt. Après ce cours très sympa de pâtisserie, les filles ont goûté les bûches. Moi, je ne les ai pas goûtées parce que, la vérité, je ne mange pas de sucre, j'aime pas trop. Donc, les filles ont goûté et ont approuvé. Là, on va se diriger vers le bar pour prendre l'apéro. Merci, c'est gentil. Avant de revenir à casa, on va essayer un truc assez sympa que j'ai jamais essayé de ma vie. C'est le tir à l'arc. Pour ne pas vous mentir, je l'ai raté, mais ce n'est pas grave, c'était une très très belle expérience. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et j'espère à la prochaine, gros bisous.